de nuances. Bon, parce qu'il ne faut pas voir Israël en dehors de ce qu'est le Messie. D'accord. Israël, il ne faut pas le voir en dehors de ce qu'est le Messie. Donc Israël, c'est l'esprit de l'homme dans la phase accomplie. L'esprit de l'homme, quelle que soit sa provenance dans le monde, c'est-à-dire lorsqu'il rentre dans la phase accomplie, dans son état d'accomplissement. Ça veut dire qu'il rentre dans une entité commune avec le Messie. Il devient une émanation du Créateur. Il est la forme matérielle, la parole du Créateur. Donc c'est ça Israël. Donc ce qui veut donc dire qu'en fait, l'olivier franc, sa racine c'est le Messie lui-même. Vous voyez bien, l'olivier franc, la racine c'est le Messie. Donc il est le seul qui est une émanation directe du Créateur, la parole du Créateur. Nous, nous sommes greffés dans l'identité du Créateur par lui. Parce que nous rentrons dans son identité. Donc ça veut dire que notre esprit humain, dans l'embryon, sort pour aller rentrer dans l'identité du Messie. Donc l'ensemble des peuples rentre donc dans cette même identité. C'est là où nous devenons l'émanation du Père par lui. C'est pourquoi il est dit, Dieu est tout en tous. Donc dans le Messie et le Messie dans les autres. Donc vous sortez directement de lui. Voilà, donc c'est ça qui devient Israël. Donc en d'autres termes, Israël, c'est le peuple qui est de la race du Créateur. Il voit très bien. C'est pour ça que le Créateur disait, je vous donne ma parole, c'est-à-dire mon identité, mes vertus, mes attributs, mes caractéristiques. Et plus loin, personne ne verra le Créateur. Il est visible au travers de ce peuple. Alors, vous voyez bien, ce peuple est son reflet. De la même manière que quand vous voyez le monde actuellement, personne ne voit Satan, mais pourtant il est visible au travers de ses émanations, c'est-à-dire le peuple qui est de sa race. Il est visible. Voilà. Maintenant, il y a une confusion qui s'est, je pense que c'est ce que nous abordons dans la vidéo, c'est qu'en réalité, il y a des individus qui se sont auto-déclarés d'Israël dans la suite de l'histoire, dans la suite de l'évolution de l'histoire de l'humanité. Mais quand on voit bien ces individus qui se déclarent d'Israël, leur racine identitaire, c'est ce champ magnétique cosmique. Ils n'ont rien à voir avec le Créateur. Donc, ça part simplement du fait que pour eux, le véritable Dieu, c'est ce champ magnétique cosmique qu'on peut appeler ici Satan. Vous voyez bien. Donc, eux, c'est une manière pour eux. D'ailleurs, quand vous voyez le pape, vous voyez bien ce qu'il porte sur la tête comme la kippa. Donc, il se réclame d'Israël, lui. Oui, c'est une manière de se déclarer d'Israël. D'ailleurs, quand vous voyez, il y a une reconnaissance totale entre l'État d'Israël actuel et le Vatican. Donc, ils reconnaissent clairement qu'ils sont la forme de la même conscience. Vous voyez le lien qui existe entre Israël actuel et les États-Unis. Quand on parle d'Israël, qui est le faux, hein, qui n'a rien à voir avec le Créateur. C'est-à-dire, là, c'est un État maçonnique. Bon, et donc, les individus qui se sont auto-déclarés Israël, c'est des gens qui sont issus des peuples du Nord. Oui, les peuples du Nord. Simplement, l'objectif, c'est de brouiller les repères de ce que c'est même qu'Israël. Oui, c'est ça, la question. Donc, la véritable Israël étant un problème, comme j'ai dit, d'identité. Donc, ça veut dire, il y a une racine identitaire, celle du Père, dans son Messie. Tous les peuples de la Terre, à travers les générations, qui se rencontrent dans cette identité, c'est un truc qui forme Israël, le véritable Israël, avec pour chef, ou si vous voulez, pour roi, qui est le Messie. Avec pour père Elohim. C'est ça qui était symbolisé par le royaume de David. Il y aura bien un royaume sur la terre, ayant pour chef le Messie, ayant pour père le Créateur. Et ce royaume est composé des esprits qui sont tous l'émanation du Créateur par le Messie. Vous voyez donc, je pense que c'est comme ça que le sujet est abordé dans les Écritures. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez bien, les gens essayent d'établir un lien entre les super responsables banquiers, ainsi de suite, et les juifs. Ce sont des faux juifs. Ça ramène à la conscience commune. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, que vous verrez que si il y a une haine qui s'est développée, entre guillemets, sur la terre, contre le Créateur, c'est à partir de ceux qui se déclarent juifs. Parce qu'on voit bien que ces gens-là, ils manifestent une personnalité qui est totalement opposée au Créateur. Donc, pour présenter un Créateur méchant. Il y a un Créateur méchant. Donc en fait, si vous voulez, ce sont des éléments de communication. Hein.
sont des éléments de communication. Une manière de faire passer le véritable créateur pour le diable et faire passer le diable pour le véritable Dieu. Oui, donc c'est ce jeu-là qui est derrière. Même si qu'il y a des, aujourd'hui des juifs messianiques. Ça, c'est totalement autre chose. C'est-à-dire, quand on parle de juifs messianiques, ça peut faire partie, on en trouve en Afrique, on en trouve ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, là, nous sommes là dans une forme de, si vous voulez, de formation, entre guillemets, dite religieuse, mais qui ne sont pas en dehors de la conscience. Hein. La conscience globale. Conscience globale, c'est-à-dire une conscience qui n'a rien à voir avec le Créateur. Ça veut dire que vous avez des individus qui, à la base, vous disent que, sur le plan biologique, ils sont juifs. Bon, mais ils se déclarent messianiques parce qu'ils supposent que maintenant, ils croient au Messie. Mm-hmm. On voit bien, donc ils forment des institutions. Bon, mais cela n'est pas suffisant. Ce dont nous avons besoin, si nous savons que le Messie, c'est bien l'identité du Créateur qu'ils octroient aux hommes pour qu'elle soit répandue sur la terre. Vous ne vous limitez pas à un cercle. Pour vous réclamer, vous tous les seuls, fils du royaume, vous êtes appelés à être la lumière dans le monde. Mm-hmm. N'est-ce pas, Jean-Michel? Voilà. Donc ce sont des signes qui nous permettent de comprendre vraiment quel peuple vient du Créateur. C'est-à-dire que là où nous sommes, là, si nous avons la grâce de sortir des limites, pour rentrer dans l'identité du Créateur, c'est pour que le Créateur se serve de nous par son Messie comme lumière pour éclairer la terre. Ce n'est pas pour qu'on passe du temps à dire là, nous seuls, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les gens, on a trouvé la vérité, on tourne là en rond. C'est là, mais là aussi que nous sommes hors de la lumière. D'accord. Seulement aussi dans les Écritures. Là, on parle de la forme symbolique de tout cela. Dans ce que tu as dit, c'est la forme symbolique, c'est pas forcément juif de descendant d'Abraham et qui a accepté le Messie. Mais dans l'écrit, quand on continue le prolongement de Romains 11, on voit qu'il y en a qui sortent des Goïm, des nations, pour venir. Pour se greffer sur le véritable olivier. C'est bien ce que je disais. Bon, maintenant, il faut bien pousser l'analyse plus loin. Abraham lui-même sort d'où? Il est goïm à la base. Abraham. C'est-à-dire, parce que quand on dit goïm, c'est un problème de conscience. Hein? C'est un problème de conscience. Ce n'est pas un problème géographique. C'est un problème d'appartenance politique. C'est un problème de conscience. Ça veut dire que tu fonctionnes à partir d'une identité de conscience qui te rend inconscient du Créateur, en fait, qui te garde dans l'état d'inconscience. C'est ça. Donc, cette conscience, elle est diabolique. À la base, Abraham lui-même part de là. C'est de là que le Créateur l'a pris pour changer son identité. N'est-ce pas? Donc, pour l'amener à rentrer dans l'identité du Créateur. C'est pour ça que quand on dit fils d'Abraham, ça veut dire ceux qui partagent la même identité avec l'Abraham dans le Messie. C'est une image, Abraham. Voilà. Donc c'est ça, c'est-à-dire que le Créateur, il faut bien comprendre que tous les peuples qui se sont étendus partout sur la terre, ceux qui sont appelés à sortir la maison pour entrer dans l'accomplissement, ils ont pour seul et unique Père le Créateur. Il n'y a pas de sectarisme dans le Créateur. C'est-à-dire que si à un moment le Créateur prend Jean-Michel, c'est pour nous parler de l'ensemble. Vous voyez très bien. C'est-à-dire qu'il prend Jean-Michel, c'est pour nous parler de l'ensemble de ceux qui doivent rentrer dans la même identité. Donc, quand on dit qu'il prend Abraham comme la lumière du monde, comme un phare, donc pour parler de l'ensemble. C'est pour ça qu'à la base, lui-même, il le prend des goïms. Parce que les parents d'Abraham, eux-mêmes, c'était des goïms. À la base, maintenant, le Père va changer sa conscience pour l'amener dans son identité. Voilà. Donc, c'est l'identité dans laquelle tous les peuples se rencontrent, de la même manière que la civilisation des nations se rencontre dans la même identité, celle de Satan. Donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est pour ça que je me méfie beaucoup des textes écrits aujourd'hui, parce qu'il y a un travail qui a été fait par des sociétés bibliques occidentales sous la direction de Rome. Et nous savons tous que Rome, c'est un empire qui gouverne le monde. Et le travail qui a été fait, comme ils le justifient eux-mêmes, hein, les écrits révisés, et tout en comprenant que quand on parle des écrits, ça ne touche pas à ce qui est la parole du Créateur, qui est l'identité du Créateur, qui est le point de rencontre de tous ses enfants. Elle est incorruptible, immanipulable, insaisissable, inaccessible par la création, puisque c'est par elle que tout existe. Ce n'est pas celle, ce qui a été appelé à l'exemple par elle qui peut la manipuler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voyez bien là, à hauteur. Bon, maintenant,
on dit bien que la révision des écrits, on dit le souci c'est de les adapter au contexte de l'évolution scientifique et technologique. Donc vous avez un peuple qui se te proclame aujourd'hui comme la représentation du Dieu qui gouverne et qui se prend pour Israël, si vous voulez. Qui se prend pour Israël. Si vous voyez bien, je pense que vous connaissez très bien l'histoire de la France, vous verrez que sans ce type d'individu, la France même ne serait rien. Sans ce type d'individu, l'Allemagne ne serait rien. D'ailleurs, le Nord, les États-Unis, c'est les gens qui se déclarent juifs. C'est eux qui contrôlent les banques et le reste. Mais ils n'ont rien à voir avec le Créateur. Mais rien. C'est-à-dire qu'en fait, eux, l'identité juive se réfère à celui qui est leur maître. Pas le Créateur, pas le Messie. Et donc, on a pris les Écritures pour envoyer à ce type de... Et les gens qui n'ont pas de discernement, mais ils soutiennent ça. Donc, je vous dis, la Bible que vous voyez là, c'est un instrument, vous bien comprendre, hein? C'est-à-dire la Bible, c'est le véhicule de la culture occidentale. Et la culture occidentale qui est aujourd'hui le paroxysme de la culture égyptienne. Maintenant, comme je dis, c'est-à-dire la Bible, ça ne touche pas à la parole de Dieu. Non. Donc maintenant, lorsque le Créateur dépose en nous cette faculté, mais même quand c'est Satan qui s'exprime, c'est le Créateur. Vous comprenez le langage par le Créateur. C'est pas, vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que quand c'est le Créateur qui est en vous, puisque la création, c'est son ouvrage, et la création, c'est un outil d'expression pour lui, vous allez comprendre le langage du Créateur à travers les éléments de la création. Ça veut dire qu'en clair, Jean-Michel est doté des facultés que le Créateur lui donne. Quand il prend même un livre, il dit scientifique. Mais lui va le comprendre, c'est l'homme, le Créateur, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que ces écrits-là, c'est la parole. Mais ils se servent de tout pour t'instruire. C'est la nuance que nous n'arrivons pas à faire. Donc, ce qui ne veut pas dire que malgré tout, aujourd'hui, tu peux quand même lire l'écriture. Oui, bien sûr. La lire, mais tu en as une lecture. Pas avec le même regard. Tu en as une lecture. Oui, pas avec le même regard. La même chose quand Hollande fait son discours. Moi, c'est le père que j'entends. Hein. Oui. Quand il fait son discours, je ne sais pas si tu comprends bien. Mais ça veut dire que Hollande est dépositaire de la parole du Créateur. Mais c'est la question que je te pose. Mais non. Donc, c'est la nuance des fois que nous n'arrivons pas à faire. Tu comprends ce que je dis? Oui. Quand. Alors, on fait son discours comme il répétait hier. Quand on lui pose la question, c'est quoi le péché pour toi? Mais toi, tu l'écoutes selon le Père. Il dit, le péché, c'est tout ce qui est contre ses valeurs. Mais toi, tu l'écoutes selon le Créateur. Mais ça ne veut pas dire que cet individu est dépositaire des facultés du Père. Mais toi qui es la parole du Créateur, tu l'écoutes selon le Père. C'est toi qui es la parole, ce ne sont pas les écrits. La parole, ce sont les vertus et attributs du Créateur dont nous devons être dépositaires. Donc en réalité, s'il y a la forme visible de la parole du Créateur, ce n'est pas dans les écrits que les gens devraient aller voir le caractère du Créateur. C'est en nous. Caractère du Créateur. Comment pense le Créateur? Ses vertus, attributs, est-ce que c'est dans les écrits que les gens devraient aller voir? Mais c'est en nous. Comme dit le Messie, celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne les renvoie pas dans la tour. Et il dit la tour, elle renvoie même vers lui. Vous allez sonder la tour, pourtant c'est de moi qu'elle parle. Donc c'est ça. En fait, c'est un travail de tentative de brouille de repères. Donc de telle manière que la plupart des gens aujourd'hui parlent d'Israël, ne savent même pas ce que c'est que Israël. Quand le maître dit le salut vient du juif, et c'est quoi le juif? Mais c'est l'esprit accompli dans le Père. C'est ça le juif. Oui, je le comprends. Voilà. Donc ils ont tout détourné pour manipuler les gens. Voilà. Le salut vient des juifs, donc ça veut dire que ça vient de l'État, ça vient des banquiers israéliens, ça vient de ceux qui se déclarent juifs. Même de ceux qui se disent juifs messianiques. Oui, mais est-ce que ce sont même des juifs? Ce ne sont pas des juifs. Tout le monde peut, même toi, tu peux te déclarer juif messianique, tu commences à t'habiller. Il y a des individus en Afrique qui se sont plutôt déclarés juifs messianiques, qui portaient la kippa, qui portaient tout ce que. Voilà. Mais c'est une question d'identité. Il y a d'autres même qui disent ça, nous sommes le peuple des Lévites. Voilà. C'est une question d'identité. Pour sortir de la conscience globale, conscience
de la fausse civilisation qui fait la fausse civilisation pour entrer dans la conscience du royaume. Tout le monde là, les Laurent Fabius, ils vont te dire qu'ils sont des juifs, les Dominique Toscan, tout le monde là, tous ces gens-là, ils vous disent, même Hitler, il était juif, on dit qu'il était juif, même les Socrates, tout ce monde-là. Ah oui, même les Einstein, tout ce monde. Mais quel lien ont-ils avec l'intelligence? Oui, parce que ça m'a toujours surpris. Ce qui m'a toujours surpris, en fait, c'est effectivement, on est juif, juif messianique, mais on reste enfermé sur soi-même, voilà. Et on est... C'est comme ça. Enfin, pratiquement une secte. Ouais. Mais bien sûr, c'est une secte. On peut pas arriver à aborder... On regarde les autres de haut, voilà, les voilà, on est haut, super saint, etc. Ouais. Mais vous avez vu, le Messie s'exprimer comme ça sur la terre. Non. Ça veut dire que cette racine juive, elle est en dehors de celle du Messie, dans tous les cas. Et ce qui a développé la haine collective contre le Créateur, c'est des gens qui se sont tout proclamés juifs. Mais qui, vraiment, quand on voit, c'est le diable même en personne. Le diable même en personne. Et ça, ce sont des techniques de communication. Hein. Voilà, ça veut dire qu'on doit prendre une identité, en fait, un nom, dont on sait bien que ça renvoie à autre chose. Et les gens qui, eux, écoutent, puisqu'ils sont naïfs, bon, pour eux, ça va leur donner l'image de Dieu, c'est-à-dire du Créateur. Voilà. Et puis on dit, mais le Créateur, c'est méchant. Donc le Messie ne viendra pas à Sion. Le Messie ne viendra pas comment ? À Sion. Ben, ça, c'est totalement autre chose. Sion, même, ce n'est pas un lieu forcément géographique. Hein. C'est-à-dire, Sion, ce n'est forcément pas un lieu géographique. Vous savez, comment dire, c'est ça qui va amener les gens à embrasser l'Antéchrist qui vient là. Pour... Oui, il viendra à Sion. Oui, oui, oui. Parce qu'il va venir à Sion. Puisque l'État, on te dit, Jérusalem, c'est la capitale des nations. Jérusalem n'appartient à personne. Tu sais ça, non? Donc, comme il va vraiment venir là, tout le monde va dire, mais c'est le Messie qui est venu. Parce que c'est un forum, hein, doté de pouvoir exceptionnel venant de Satan. Bon, et tous ceux qui sont fonctionnant par la même énergie vont se reconnaître. Voilà. Donc, voyez, là, c'est lui qui a traduit la Bible sur lui. En fait, c'était un franc-maçon. Hein, pour comprendre clairement, quand on dit les écrits, la Bible, c'est pas ça qui est la parole du Créateur. Parce que sur qui c'était un franc-maçon, très bien reconnu. Oui? Très bien reconnu. Donc ça montre notre degré d'ignorance qui est terrible. Bon, et quand Souraki lui traduit même, la compréhension qu'il a n'est pas la même que celle que toi tu as. Si vous n'avez pas la même nature, tu vois ce que je veux dire. Bon, et les sociétés bibliques occidentales sont des sociétés maçonniques qui traduisent les écritures. Les sociétés linguistiques sont totalement maçonniques. Ils travaillent dans la linguistique. Bon, donc vous croyez donc que vraiment ces sociétés, c'est ces vertus pour vous révéler le Créateur? Non, mais c'est la question. Voilà. Donc, c'est pauvre de nous, tout simplement. Donc, franchement, c'est-à-dire que... Pauvre de nous. Ah oui, c'est-à-dire, en fait, le degré de... On a été amené à accepter des choses qui sont inacceptables. Inacceptables. Voilà. Donc, ce que disait Souraki annonçait que il attend le royaume, il attend le règne spirituel qui vient, tu vois, s'installer en Israël. Et l'anti-Christ, l'anti-machin, le faux homme, c'est là qu'il va prendre. Et c'est ce qui va faire que la plupart des gens vont dire que c'est Jésus, c'est le Messie qui est venu. Voilà, parce qu'il devait venir à Sion. Et si vous voyez la simulation, j'ai vu une vidéo dernièrement, où on commence à simuler le visage d'un personnage apparaît au ciel, en train de venir. Ouais. On voit bien. À un moment donné, je lisais les bibles traditionnelles. Après, j'ai dit, je vais prendre la version Chouraki. Ouais. Et quand je suis venu pour acheter la version Chouraki, je vois que c'est lui qui a écrit aussi le Coran. Ouais. Alors, je me disais, mais c'est bizarre quand même. Il écrit la Bible, il écrit le Coran, il est dans tout. Mais c'est la même chose. Même lui, c'est tout ça. Ce sont des sociétés maçonniques. Quand tu vois Louis Segond, moi j'ai une version de Louis Segond pour le Poste Ténébras. Poste Ténébras. Quand tu vas chercher, c'est une société genevoise. Genevoise, pardon, maçonnique, elle ne s'en cache pas.
Mais il n'y a pas, en dehors de lui, je crois qu'il n'y a pas de Bible traduite qui ne vienne pas de source maçonnique. Non, mais en dehors de lui, en dehors de lui. Il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de document traduit qui ne vienne pas de source maçonnique. Aujourd'hui. Mais lui aussi. Oui, mais j'ai dit lui aussi. J'ai dit bien. En plus, j'ai dit bien en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre. Voilà. C'est-à-dire, il y a lui aussi. Lui aussi, oui. Parce que tu as dit en dehors de lui. Non, c'est ce que j'ai dit. Lui, tout à l'heure, que lui-même, c'était un maçon. D'accord. Voilà. Vous comprenez ? Donc, c'est ça. Là, parce que je me posais une question, je me dis, mais. Voilà. Dit, donc, faut pas simplement voir Joachim. C'est pour ça que c'est très dangereux quand les gens disent la Bible, c'est la parole de Dieu. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la parole de Dieu. Voilà, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais vous ne pouvez pas imaginer combien c'est extrêmement, heureusement que ce n'est pas du créateur qu'on parle, extrêmement rabaissant. Rabaissant, on enferme le créateur dans. Imaginez bien, hein, lui, on dit que les cieux ne peuvent pas nous contenir. Et puis on dit, mais oui, il est là. C'est pour ça que j'avais fini par me dire qu'il est, le créateur au niveau de. Tu as dit, c'est lui qui est le créateur, le Dieu, etc. Je m'étais dit, oui, mais c'est pas, il n'est pas parlé d'Elohim. Donc, tu disais qu'effectivement, à l'instant, tu viens de dire, lui, il parle de Dieu. Oui. Et moi, j'avais fini par me dire, il parle de Dieu, mais il ne parle pas du Créateur. Non. Il parle de Dieu, mais il ne parle pas d'Elohim. Qui ? Jura qui ? Jura qui ? Non, oui. En fait, lui, il parle de choses. Hein. Mais dans le fond, c'est que les termes qui sont utilisés renvoient bien au Créateur. Parce que ce n'est pas la phonétique. Le nom. Ça renvoie à l'identité avec ses caractéristiques. Tu vois bien ce que je veux dire. Mais tu peux prendre la même phonétique pour envoyer à autre chose. C'est-à-dire prendre par exemple Yahweh, Elohim, Yeshua, pour parler de Satan. Vous voyez ce que je veux dire. Donc pourquoi utiliser ces mots alors pourquoi utiliser ces mots si on sait qu'elles ne renvoient pas forcément. Non, c'est-à-dire que moi, quand je les utilise en fonction de l'identité, moi, ça renvoie à mon père, ça renvoie à lui. Parce que ce sont des termes originaux. Quand on parle de Yahweh, Dieu, ça renvoie simplement à une transcendance. Ça n'a aucun sens, le terme Dieu. Oui, mais justement, pourquoi on l'utilise. Quoi. Le mot Dieu. Mais c'est donc ce que j'ai dit, parce que les gens ont été habitués à cela. C'est-à-dire que progressivement, vous voyez, dans l'enseignement, on parle de Yahweh, Elohim. C'est-à-dire, Elohim, ça rentre dans les attributs, hein, caractéristiques du Père. Attributs, Yahweh Rapha, Yahweh Jireh, ainsi de suite. Ça rentre dans les attributs. Mais on n'est pas dans la phonétique, je dis bien, on rentre dans l'identité. Voilà, c'est pour ça que si nous sommes en dehors de l'identité du Créateur, mais on parle Yahweh, on reste dans la phonétique. Mais maintenant, le vrai dont nous parlons, c'est celui dont les caractéristiques émergent en nous. Je ne sais pas, vous voyez bien, c'est lui qui agit en nous. C'est particulier. Hein? Ça c'est particulier. Comment? C'est particulier. Oui, parce que pour que les gens sachent réellement de qui on parle. Donc d'utiliser un terme Dieu qui a des racines en plus quand on regarde bien à travers Dieu. Certainement, bon, tu connais certainement. Oui, oui, oui. Parce que bon, on parle plutôt de Zeus ou de Deus qui n'a pas de référence au caractère. Oui, oui, oui. Mais on l'utiliser quand même. Non, mais en fait, personnellement, ça du tout dépend des milieux où je l'utilise. Bon, ça veut dire, par exemple, quand je suis en Afrique, c'est-à-dire quand on a un peuple habitué, on sait bien que lorsqu'on parle de Yahweh, le peuple est orienté vers le Créateur. Bon, lorsque vous avez un peuple en Afrique, si vous utilisez le terme directement, Yahweh, bon, et ils sont convaincus que vous parlez d'autre chose que du Créateur de ciel et de la terre. Tu vois bien? Donc, en fait, moi, mon objectif n'est pas de leur parler de la phonétique, de les amener dans les caractéristiques du Créateur. Donc quand j'utilise le terme Dieu, c'est pour qu'ils comprennent bien que c'est de celui-là que je parle. Donc c'est un besoin de communication. C'est-à-dire sinon, si on parle pour ne pas être entendu, ça ne sert à rien d'aller parler. Voilà. Si tu arrives dans un village où Dieu c'est Zamba, oui. Ou je ne sais pas pourquoi, tu vas aller dire Zamba. Tu vas le dire Zamba. Mais ce que tu mets derrière Zamba, c'est le vrai. C'est comme contenu. Ça. Bah, tu lui dis Zamba, mais en fait tu Zamba, vas pas lui dire. Ça veut dire Dieu. Oui. Ça veut dire. Mais Zamba pour toi n'est pas le créateur. Mais tu sais, Jean-Michel, nous par exemple dans les peuples sémitiques, comme on dit souvent, le terme Yahweh, c'est ce que mes parents utilisaient. Hein? Yahweh, Yeshua. Dans les peuples sémitiques, ce ne sont pas des termes qui sont nouveaux. Mm-hmm. Bon. Mais maintenant, ce qui se développe comme identité dans l'individu, tu comprends que ça n'a rien à voir avec le Créateur.
voyez bien, donc ce n'est pas parce que je respecte les termes tels qu'ils sont là, en manifestant une personnalité haute dans mes caractéristiques, que je parle du Créateur. Parce qu'il faut bien comprendre que parler, ce n'est pas la phonétique non plus. C'est-à-dire parler, c'est ce que je manifeste. C'est ce que je mets en évidence. Voilà. C'est-à-dire, c'est parce qu'on nous a enfermés aussi dans l'idée que parler, le seul moyen de communication, c'est les mots. Mais en fait, quand je suis face à l'événement, je suis avec vous, ce qui s'exprime en moi sans que j'ouvre même la bouche, je parle. Je suis en train de vous révéler ce que je suis. Parce que parler, c'est se révéler, se mettre en évidence. Mettre en évidence ce qui est en nous. Donc c'est ça qui est très important. Donc ça fait que les individus, moi, je me souviens très bien dans certains endroits, c'est-à-dire que quand j'utilise le terme, par exemple, je tiens une conférence, j'utilise le terme Dieu, c'est un exemple. Mais quand je rentre dans les détails de la personnalité de mes gens, me disent, mais tu ne parles pas de Dieu, tu parles de Satan. Tu comprends? Parce que les gens comprennent clairement que mais ce que tu manifestes et ce dont tu leur parles là, c'est totalement autre que ce que ils sont. Différent de ce qu'ils appellent Dieu. Oui, bien sûr que c'est cela. C'est un peu... Moi, j'aurais même pas donné de nom, j'aurais dit tout simplement le Créateur. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. D'ailleurs, dans les, je ne sais pas. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je ne sais pas si tu écoutes bien les vidéos. Je parle la plupart du temps de Créateur. Mais j'ai dit non. Ce sont des gens qui disent maintenant, mais depuis que tu dis Créateur, Créateur. Voilà. Pour la plupart, je parle de Yahweh. C'est Jésus que tu dis. Je parle du Créateur. Pour moi, ce n'est pas parce que tu me parles du Créateur, phonétiquement, quand je observe, que vraiment tu es du Créateur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est ce qui constitue ta structure identitaire, ta personnalité. C'est ça qui m'intéresse. Tu vas utiliser le terme créateur, créateur, Yahweh, Yahweh. Si moi je vois autre chose s'exprimer en toi, dans tous les cas, ce que je retiens, c'est que le Yahweh dont tu parles, c'est l'autre. C'est pas le créateur. Oui. Mais lorsque tu viens parler du créateur à une foule, oui. Tu es face à des gens multiples. Oui. Donc, si on leur positionne tout de suite sur Dieu ou sur telle chose, est-ce que c'est pas... C'est une question que je pose. Je ne me positionne jamais comme ça. C'est-à-dire, je pars... Par exemple, quand je parle de Yahweh, si tu veux, on s'adapte aux besoins de l'auditoire. Besoin de l'auditoire qu'on a en face. Parce que si ce n'est pas nous-mêmes qui parlons, si nous en sommes conscients, que nous sommes les instruments de notre Père, on s'adapte aux besoins de l'auditoire. Parce qu'il faut bien que l'auditoire sorte d'un niveau, d'une compréhension pour être élevé à une autre. Donc on l'amène en fonction de cela. Bon, mais comme je le dis, parce qu'en fait, vous voyez bien, il y a des personnes comme les Rothschild, qui sont des grands satanistes, qui ne te parlent que de Yahweh, qui ne te parlent que de Yeshua. Bon, c'est ça qui a créé une terrible confusion aujourd'hui dans le monde. Oui, je dis des grands satanistes. Donc, c'est pas parce que eux, ils savent bien, même les Sourakis, qui quand ils parlent de Yahweh, lui, ils envoient autre chose, hein. Oui, donc c'est là, je pense que c'est là un élément très important que nous devons retenir. Donc moi je dis aux gens, on peut changer de phonétique, ça ne veut pas dire qu'on a changé d'identité, on a changé de personnalité. Donc quand on voit le texte de Deutéronome, quand il est parlé de Moïse, qui va voir le peuple, qui va voir Pharaon, et il dit à l'Éternel, qui je dois dire que tu es? Quand il a dit, bah, tu vas leur dire, ayez Hachem, ayez. Je suis celui qui suis. Ouais. Et après, il dit, dans le même texte, dans le même verset, le Elohim d'Abraham, Elohim d'Isaac, Elohim de Jacob. Donc, est-ce que. Bon, on peut dire après, c'est une version, je ne sais pas quoi. Mais est-ce que ça ne permet pas de savoir tout de suite de qui on parle? Non. En fait, si tu veux dire comme ça, on ne peut pas savoir de qui on parle. C'est-à-dire qu'en fait, dans la démarche de Moïse, il rentre dans les détails identitaires du Créateur. Pour que Pharaon sache bien que celui dont il parle est différent de celui que lui, il appelle Dieu. Et la preuve même. Voilà, vous voyez, c'est ça. La preuve même, tonton, sans vouloir te couper, c'est que, après avoir dit, celui qui m'a envoyé, c'est le Dieu de Jacob, d'Abraham, de tout ça,
l'autre, il n'en a rien à faire. Parce que là, là, ce sont les mots. Voilà. Mais il a fallu qu'il se déploie et que lui, qu'il puisse comprendre, en fait, qu'il voit bien son identité. C'est le Tout-Puissant. Voilà. Et cet élément que je parlais là, je peux te dire que une fois, j'ai en discuté avec M. Jacques Collard, qui donne les cours de bœuf. Et je lui disais que je pense que l'un des pièges dans lequel vous introduisez les gens, c'est de leur faire croire que comme ils parlent hébreu, ils comprennent vraiment qui est le Créateur. Mm-hmm. Oui, très bien. Voilà. Et ça, c'est l'un des pièges. Parce que je connais bien les gens qui rentrent dans ces détails dont tu dis là. Mais quand tu les vois vraiment des haineux, totalement habités de la haine et du reste. Et puis, il va te dire que lui, il n'est pas chrétien. Mais pourtant, il manifeste exactement la même personnalité. Donc, j'avais eu ces discussions, c'était entre guillemets, je sais pas, et il était parfaitement d'accord. Je lui dis qu'en fait, il faut bien comprendre, monsieur, si on est d'accord dessus, l'intelligence de la langue, c'est dans l'identité. Donc, ça veut dire qu'un individu, même s'il a l'hébreu comme langue maternelle, s'il n'a pas changé de conscience, c'est l'identité qu'il habite qui va lui interpréter l'hébreu qu'il utilise. Oui, bien, c'est là-dessus qu'on est parfaitement d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que vous voyez bien, c'est là le mystère du Créateur. C'est-à-dire que le Créateur ne s'enferme pas dans une sémantique, dans une langue. Non. Ça veut dire que si ton identité change dans ta langue, il se révèle. C'est un problème de révélation identitaire. Vous voyez bien ce que je veux dire? C'est ce qui montre que quand le Messie parle, il parle en hébreu. Hein. Mais les gens qui avaient une identité corrompue le comprennent selon Satan. Comprendre. Et c'est un élément très, très important parce qu'il est plus facile d'aller apprendre une langue que de changer d'identité. Que de changer d'identité. Parce que pour changer d'identité, on doit sortir d'un pôle d'intérêt pour rentrer dans l'univers du Père. Mais pour aller apprendre une langue, je reste dans mon même univers. Pas grand chose à perdre. Entre guillemets. Ouais, bien. Donc là-dessus, on était d'accord. Bon, mais j'avais seulement compris que lui le fait pour avoir sa monnaie. Parce que ce sont des cours qui sont lucratifs. Et donc, et c'est vraiment quelque chose de très... Parce que vous verrez que quand vous rentrez dans l'identité, la sphère du Créateur, cela est vrai même pour la conscience cosmique. Vous rentrez dans la sphère du Créateur, c'est-à-dire le Père nous fait sortir l'embryon, il fait rentrer dans son identité... Vous comprenez toutes les langues sans les parler. Toutes les langues. Parce que c'est l'esprit qui s'exprime au travers des langues. C'est l'esprit. Donc, c'est ce qui montre aussi que quand vous rentrez dans l'identité de Satan, qui s'exprime à travers toutes les langues plurielles, vous comprenez toutes ces langues. Vous voyez ça? Donc, c'est un élément extrêmement important où comme je le dis personnellement, moi je demande que l'on le fasse comme ça. Hein. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de répéter Dieu, Créateur, Yahweh, Elohim. En réalité, c'est lui qui est vraiment le véritable qui s'exprime au travers de ces termes-là. C'est lui dont nous partageons l'identité. C'est lui, personnellement. Oui, donc c'est très, très. Donc par rapport à ce sujet, c'est. Si vous voulez, c'est ça. Appeler notre Créateur, effectivement, si nous ne sommes pas dans son identité, oui, ça ne sert à rien. C'est comme si on battait le vent, l'air. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Parce que le nom renvoie à l'identité. Mais oui. À l'identité, à la personnalité. Mm. Donc, si je suis porteur d'une autre identité, ben, je peux mettre tous les noms que je veux derrière. Mais oui. Le nom véritable. Qui est à l'origine, je veux dire. Je porterai mon nom ici. Bien sûr. Mon identité. Mmh. Identité. Je vous donne mon nom, mon identité. Et c'est ça que les gens veulent voir. Hein. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas voir que tu leur parles de Yahweh. Ce qu'ils veulent voir, c'est l'identité du Créateur comme étant accessible aux humains. C'est ça que les gens veulent voir. Je trouve tout cela beaucoup plus simple que, effectivement, cette guerre de. Guerre de religion, guerre de langue, guerre de... C'est ça. Je vous assure que dernièrement, j'ai été... C'est là où je comprends la puissance de faculté que le Père met en nous, le regard. Comment ça peut renverser. Mm.
j'ai été dans une chaîne de télévision qui, si tu viens te présenter avec le verset de la Bible, tu décrètes personne ne te reçoit. Mais nous sommes simplement partis. Je suis simplement parti. David va dire des choses. Lui parler simplement du croisement mariage comme fondement de la société. Pour lui parler de la racine d'identité de la nation. Mais je vous en trois mots. Mais pourtant, je parle du royaume. Hein. Mais ces gens ont été pris dans le piège. Oui. Mais bien sûr, ils ont peut-être devant moi, elle a appelé pour que je passe à une émission. Même pas ce qu'on dit, bon, on va te rappeler. C'est comme ça. J'ai dit tout de suite, ils m'ont même envoyé, invité à un débat à Paris, c'était hier, sur ce même sujet, à 14h. Oui. Donc, si tu commences là, Dieu, si, mais bon, tu dis, mais écoutez, tu rentres dans l'identité que les gens ne savent pas que tu es. Tu les fais voyager, tu leur fais rentrer dans le monde même qu'ils trouvent hostile. Voilà, c'est ça. On pense à ça. Ouais, c'est après qu'ils vont se rendre compte que tu les as embarqués. Hein. Ça sera déjà. Tu as déjà accompli ta mission. Oui, bien sûr. Ils ont déjà eu la connaissance. C'est ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui avons. Parce que, étant habité d'identité des ténèbres, on a travaillé contre la lumière. Voilà. Avec des principes. Personne comme l'apôtre Paul, dont tout le monde cite, hein, il arrive dans un aéropasson de philosophes. Mais il prend un discours comme parlant, comme étant vraiment de leur cercle. N'est-ce pas? Oui. Ouais. Il dit, je me suis fait tout, je me suis fait tout pour tous. Je me suis fait tout pour tous, pour faire, pour dispenser le royaume. Quand je suis allé chez les Grecs, je suis devenu comme eux, j'ai utilisé leurs termes pour leur annoncer le royaume. C'est la même chose.